Bonjour à toutes et à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend cette la dernière fois nous fous de Company of Heroes 2, le théâtre de guerre. Cette fois-ci nous allons attaquer à l'opération Plan Bleu. Donc comme pour opération Barbarossa, on terminera par un scénario en coop et nous commencerons tout de suite par les défis en solo. Donc difficulté générale. Défi solo convoi. Près de Stalingrad du RSS, novembre 1942. Les soviétiques tiennent leur position à Stalingrad en dépit de lourdes pertes et de réserves limitées. Les lignes de ravitaillement bolcheviques doivent être coupées pour venir à les chasser de la ville. Utilisez une petite force de soldats de génie et de grenadiers pour éliminer les convois soviétiques en direction de la ville. Et nous allons tout de suite la lancer. Donc, on peut fouiller les véhicules pour trouver des munitions. On a très peu de renforts et le maximum de perfectibles qu'on a sont limités à 100. Les mines Riegel sont préférés des mines anti-char, sont uniquement disponibles, ne peuvent être uniquement déployés que par ultra-calmant. On va quand même préciser, ça nuit drôlement aux véhicules. Et on peut mettre des barricades pour faire en sorte que les véhicules restent sur la glace. Bon, ce qui est étrange, c'est que j'ai pas de matériel du tout là. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas besoin pour cette mission après tout. On peut s'en passer honnêtement. Ah oui, et ils n'ont pas précisé, mais nous serons en hiver pour cette mission, donc il y a les conditions hivernales qui s'appliquent, c'est-à-dire la neige et les déplacements réduits dans la neige, etc., etc. Les bolcheviks tiennent leur position dans Stalingrad, commandant. Mais ils ne pourront pas tenir si nous les privons de ravitaillement. C'est une voie d'accès cruciale à la ville assiégée. Vous devez stopper tous les convois qui empruntent ces routes. Un groupe légèrement défendu approche, mais des véhicules plus lourds devraient suivre. Vos forces sont réduites, alors tâchez de trouver des ressources sur le terrain. Bon. Voilà, ça tout de suite. On installe, on rapplique les troupes là, ça on l'améliore avec le canon. Ces groupes là, on rapatrie ici pour faire un barricade. Excusez-moi, j'ai oublié une barricade celle-ci. Et les grenadiers vont tout de suite aller ici avec le Altrak pour récupérer un mortier. Et étant donné que mon infanterie est améliorée avec de l'équipement de camouflage, si on récupère un mortier, le mortier aura aussi ce bonus là. Utile pour un multijoueur. Donc ça peut être vraiment un vrai gain pour vos armes collectives. Donc, on reforme nos grenadiers. On les améliore les deux avec les mitrailleuses. Et ils seront obligés, en fait, étant donné que j'ai barricadé là, les troupes seront obligées de passer par ici. Attention. Faire attention à ce qu'ils ne me fassent pas sauter la mine alors que je la mets. Besoin de reconnaissance à cet endroit, pilote. Besoin d'un tir indirect. C'est parti. Le convoi a
repérer une barricade et emprunte un chemin alternatif. Pas que je perde le hack track. Vas-y, gars, je vais dire. C'est parti. Les gens, quand je dis quelque chose, il y a toujours un contact. C'est pas assez, mais ça c'est bien. Bon, avec cette section là, j'ai cherché des carcasses pour récupérer des munitions. Normalement, il va sauter sur cette mine. Y a trop de neige. Pas intéressant ce qu'on dit de plus. C'est la première fois que lorsqu'une mine saute, le véhicule ne coule pas. Il est temps de sortir de là. On est en route. Mais bon. Ok, on y va. Ici unité de Gunnerwerfer. Unité de Gunnerwerfer à vos ordres. Soldats du génie, on attend d'ordres. Quels sont les ordres? Heureusement j'ai un mortier, et le mortier est très pratique pour ça, si vous pétez le moteur, il bouge plus et... Soldat du génie, et voilà. Nous attendons les ordres. Sortez et surveillez. On va remettre une mine là, une mine là, et une mine là. Faites bon usage de ces renforts. Le Kampfgruppe n'en accordera pas davantage. On a terminé. Voilà. On va par là. Soldats du génie, en route. Il doit y avoir je sais plus s'il y a 3 ou 4 carcasses qui traînent. Donc, à vous de les chercher. Bon, comme vous voyez, ça rapporte quand même beaucoup de munitions. Il faut en profiter. Yabol, on se déplace. Ici, soldat du génie. Bon, après, point positif, s'il reste des carcasses et que vous les coulez pas, avantage c'est que vous pouvez récupérer les munitions dessus. Prêt à l'emploi. On est en route. C'est pas trop mal non plus hein, de récupérer. Voilà. Soldats du génie en route. Désignez-nous une cible. Grenadier au rapport. On y un va. Deuxième convoi approche. Avec notamment un char soviétique T-34. Éliminez ce char et les camions de ravitaillement. Utilisez des mines ou faites couler le char dans le fleuve s'il le faut. Soldat du génie, je non, déteste il pas. De marcher dans la neige. Et voilà neige. Aftrak en attente d'ordre. Pas d'autres carcasses, donc voilà. On attend. En avant, Panzer Grenadier. Grenadier, je n'ai jamais dû vous terminer. Sortez et surveillez les signes d'engelure. Le bon côté, c'est que Batir va nous tenir chaud. Aftrak par Kut, erst total tot hose. Unité pareil. Voilà. Et notre chauffage aussi. Soldats du génie, placez les mines anti-char. Ok, on y va. Terminé. En avant, marche. Je déteste de marcher dans la neige. Ah, il y a une carcasse là, c'est bien ce que je pensais qu'il y avait une carcasse quelque part. Il y a même une ici. Aftrak en attente d'ordre. Ya, traverser la campagne dans la neige. Heureusement qu'on... Ils ont repéré une autre barricade. Le convoi change de trajectoire. C'est-à-dire qu'ils essaient de passer là. Putain, on entend le bruit des moteurs. Soldats
vois. Donc ici il y a plein de bâtiments donc vous pourrez pas récupérer plus loin. Il y a des bunkers, c'est surtout ça qui pose problème. Donc on renvoie une escouade du génie. Placez des mines antipersonnelles, soldats du génie. C'est jamais très drôle de bâtir en hiver. On a du travail de construction. Il y a trop de neige. Et encore un save ici. Quels sont les as? Y'a soldat du génie. Un dernier convoi est en route. Nous avons identifié plusieurs chars lourds KV dans ce groupe. Vous devez détruire ces chars lourds et les camions de ravitaillement qu'ils protègent. Le problème c'est que je sais plus, je crois qu'il passe par le sud le dernier. De mémoire c'est ça. Et voilà. Mais le problème c'est que plus souvent j'oublie en fait la barricade là donc Donc je peux me tromper. Grenadier, section avancée. Soldats du génie prêts à tout. D'ailleurs on va éviter qu'ils sortent par ici, on va poser encore une mine. Attention, vous marchez. Oui. Soldat du génie. On devrait fabriquer des raquettes. Et là, je vais mettre un soldat du génie ici en tant que reconnaissant. Section de soldats du génie. Terminé. On improvise. Sortez et surveillez les signes d'engelure. On se déplace. Nous attendons les ordres. De toute façon, il peut couvrir aussi à droite, donc ça m'inquiète pas. Oh. Il vous faut soldats du génie en route. Il est temps de sortir de là. Aftrak en attente dans. Pilote en route. Attention à la neige épaisse. Grenadier, grenadier, on dégage. Marais. Soldat du génie. C'est non, parti. On peut passer par ici. On y va les gars. Vous voulez construire ou détruire quelque chose? Je déteste marcher dans la neige. On entend les moteurs. Le convoi fait demi-tour au niveau de la barricade. Au moins, on patouche pas dans la boue. Je déteste ça. René, bougez-vous. On dégage. Donc qu'on repasse bien sur la flotte. C'est juste. On devrait fabriquer des raquettes. En route. On va vous faire voir. On est au contact de l'ennemi. Quels sont les ordres? Voilà, un KV ça coûte du premier coup. Donc c'était un problème de poids.
Repli, repli. Voilà. Au cours du mois de novembre 1942, la Wehrmacht coupe de plus en plus de lignes de ravitaillement soviétique. Les défenseurs soviétiques ne détiennent plus que 10% de Stalingrad. Mais malgré cette situation, la ville refuse toujours de tomber. Et voilà, c'est ainsi que nous avons réussi cette mission. Comme constaté, plutôt rapide et assez simple. La victoire est à nous. Bon, en réussissant en difficulté générale sans trop de difficultés, bon. Le plus important, c'est vraiment de miner la rivière. Et quand j'ai miné, vous avez vu la dose de mine que j'ai mis. Avoir le mortier, ça vous sauve la vie. Bon, évitez de perdre quand même la SDK. C'est assez problématique, notamment. Et ZK est très pratique pour vite détruire les véhicules légers. Comme ça, il y a que les chars qui se prennent les mines. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.